Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour regarder des parties sur 9-9 sur OGS. Donc là je tombe en premier sur une partie entre un 4-Q et un 1-Q, les deux joueurs ont l'air chinois. Euh, blanc à 6,5 de commis, ok. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors noir joue Tengen, ok. Donc noir a un esprit très combatif, hein. là, jouer sur 9-9 au Tengen c'est vraiment, on base tout sur le combat, on ne fait pas de territoire pour le moment. Euh, on est sur la cinquième ligne de tous les côtés, pourquoi pas s'il aime le combat, c'est tout à fait jouable. Et blanc, une, attre, une approche plus terre à terre, il vient jouer en troisième ligne. Noir, dès le début, euh, joue en D3. Donc là, il joue en direction de sa pierre et prétend déjà prendre une zone de points dans cette direction. Hop. Si on prend que jusque-là, c'est un peu plus clair. Voilà. Il prétend prendre ça comme point. Et en même temps, on peut regarder il retire. Une des trois directions à la pierre blanche. Donc il attaque un petit peu cette pierre blanche tout en construisant son territoire. Et ça, c'est un peu la force du Tengen pour le coup. Ensuite, Blanc s'étend, c'est logique. Hein. Il à la fois il fait le coup optimal pour développer des, des points ici sans toucher l'adversaire. Parce que le problème de quand on touche l'adversaire, certes on va se développer et il prend un peu plus. Mais quand on va au contact de l'adversaire, on se construit et l'adversaire se construit. Sauf que là, comme le plateau, le Goban est assez petit, est-ce qu'on a envie vraiment que l'adversaire se construise rapidement et par exemple connecte ici Il faut être serein sur le fait de pouvoir envahir. Ce qui est faisable, certes, mais euh, là, il voulait peut-être simplifier la situation. Donc il vient ici, comme ça, il, il se renforce, il prend quand même quelques points, il a l'air tranquille dans le coin. Et en même temps, il se laisse le plus de possibilités possible pour aller de l'autre côté. En réponse à ça, on pourrait imaginer Noir qui euh, vient un coup par ici ou un coup par là pour continuer à développer ce bord gauche. Ou alors très agressif qui peut jouer par ici pour dire si tu joues ailleurs, je peux vraiment mettre de la pression sur ton coin. On va voir quelle stratégie il prend. Ce serait pas impossible qu'il fasse F6 au vu du ten gain, le style. On va voir, j'ai pas regardé la partie avant. Encore plus agressif, ok. Donc là c'est une partie, elle est déjà finie, donc il montre quelques réponses. Ok, encore plus agressif, effectivement. Euh, ici, si blanc euh, vient par là, noir peut couper. Et là, euh, on a quelques petits problèmes. Hop, je vais mettre réviser la partie, ça va être tout simple. Parce que là, c'est un petit peu moche. Est-ce que c'est mieux pour vous Oui, c'est bien. Donc, on va revenir là. Tac tac, on va regarder nos propres séquences à nous, ça va être plus simple. Euh, hop, voilà. Si Blanc vient ici, et que Noir vient là, imaginons Blanc recule, noir peut prendre cette pierre en chichot. Et effectivement, hein, Blanc a cet atari gratuit, il se développe dans le coin, mais noir se développe vraiment fortement de ce côté. Blanc a peut-être envie d'éviter ça. Donc comment blanc peut résister Il peut résister comme ceci. Noir recule et blanc avancerait par ici par exemple. On voit que noir développe de ce côté, mais blanc est en avance par ici, donc plus tard pourra euh, glisser par là, et on peut toujours penser au coup d'invasion. Donc ça, ça peut être une séquence tolérable pour blanc, on peut se dire. On va voir comment comment il a envie de jouer ça. Il monte, ok. Normalement, quand on monte comme ça, c'est un peu poussé dans le kéma. Et souvent, ce qu'on a envie de faire quand on pousse dans un kéma comme ça, c'est euh, de couper. Donc, normalement, la séquence, c'est ça. Pourquoi pas en soi Il sépare les positions de noir. Noir, il peut se défendre comment Il a envie d'aider ses pierres, par exemple, donc il pourrait se défendre comme ça. Et blanc pourrait mettre la pression sur ses deux pierres noires. Ça peut être une solution, c'est vrai. Parce que noir, maintenant, il faut qu'il essaye de vivre dans ce coin. De ce côté-là, il a l'air assez safe. Et en même temps, blanc prend des risques parce qu'il euh, a aussi deux positions séparées maintenant. Qu Qu'est-ce la... qu que ça a donné dans la partie Noir réfute. Et ne veut pas se faire couper ce kema. Cependant, quand il fait ça, il se fait couper tout de même le kema. Ici, c'est un kema déchiré en deux, en fait. Blanc vient complètement déchirer la position de Noir. Et ici, malheureusement, c'est un, un toby déchiré également. Donc là, les formes de Noir sont assez mauvaises. Et Blanc... Il est assez content de cette situation parce que contrairement à l'autre situation où il est coupé en, en E6, il n'a qu'un seul groupe encore pour le moment. Donc il est très content de cette situation. Et il peut encore, ici on est encore sur la cinquième ligne, donc il peut encore venir s'installer là plus tard. En plus de ça, il y a le commis. Donc là on donne l'avantage à Blanc pour le moment. Mais Blanc n'est pas venu ici, ok. Blanc vient directement envahir. Pourquoi pas, mais ça laisse quand même la possibilité à Noir plus tard de revenir ici, ce qui est un très gros coup, parce que Noir prétend ne faire plus qu'un seul groupe, et en plus, on voit que par exemple ces deux pierres-là de blanc, il faudra surveiller, parce que rapidement là, elles n'ont plus que trois libertés. Donc ça, pourquoi pas le coup en C6, mais rien n'empêche de faire d'abord blanc, noir, et par exemple blanc. Qu'est-ce qui se passe ici? Noir descend. Blanc descend. Pousse ses deux pierres vers sa force. Si noir fuit, blanc va ici. Et blanc capture les trois pierres. On regarde de ce côté, les deux pierres blanches, elles ont trois libertés. Une, deux, trois. Donc de ce côté, ça a l'air d'aller, car noir n'a que deux libertés. Donc euh, même si noir joue en premier par ici, blanc va capturer en premier. Comme ça. Et de ce côté, effectivement, il n'y a que deux libertés. Mais si Noir joue ici, Blanc répond naturellement là, connecte ses pierres. Et en plus, Noir est en atari. Et maintenant, on voit une, deux, trois libertés. Et si Noir vient par là, ça fait Atari, encore une fois, Blanc répond. Mais d'abord, Noir doit sauver sa pierre en 8. Et là, on compte 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, contre 1, 2. Blanc peut venir tout de suite s'il le veut et capturer les 3 pierres. Même s'il y a contre-attaque ici, ça capture. Et là, noir a l'air euh, un peu dans la panade ici. En plus, blanc peut toujours venir envahir un jour ou l'autre. Donc, blanc est très bien avec cette situation. C pour ça que ce coup-là peut être intéressant. Et si noir recule, blanc continue. Et si chacun a à peu près autant sur le goban qui peut être compliqué, c'est qu'avec le commis de 6,5, Blanc mènerait. Donc ce n'est pas satisfaisant pour Noir. Donc dans la partie, Blanc vient directement ici, d'accord Et Noir essaye de connecter un peu toutes ses pierres. Noir a peut-être peur que euh, plus tard dans la partie, donc euh, imaginons n'importe quoi, euh, il se fasse couper par ici. Je pense qu'il a peur de ça. Donc il fait un coup de forme. Car maintenant, si Blanc vient par ici, en Noir joue le même coup en D4, Blanc ne peut plus couper. Il se met en auto-Atari et se fait capturer. Donc ça, ça ne marche pas. Donc là, ça c'est intéressant comme coup, cool en réponse à Noir. En soi, il connecte ses pierres. Blanc passe au-dessous. Il prend de la base de vie tout en mettant la pression. Parce que maintenant, ce qui menace, encore une fois, il pourrait menacer un jour Atari et venir par là. Pour le moment ça ne marche pas très très bien, mais c'est une bonne idée. Il peut venir mettre la pression un jour euh, blanc pour couper. Donc il faudra surveiller ça. Noir ne peut pas faire n'importe quoi. Et du coup, Noir recule. Le problème avec ce coup de recul, et là on revient au fait de coup de contact, c'est bien pour se développer, on voit Noir il se développe, il, va, il connecte ses pierres, mais il construit blanc en même temps. Le problème, c'est que Blanc 1 se connecte naturellement, et 2, il a toujours ce coup qui est un peu forçant et qui va d'une manière ou d'une autre. Si Noir vient ici pour connecter, ou qui vient là, ou qui vient là, à chaque fois, on remarque le même petit problème. Euh, ici, il fait un angle vide, ce qui est une forme assez désagréable au jeu de go. Euh, S'il joue ceci, il fait un angle vide de ce côté mais également un de ce côté, assez désastreux. Et s'il va de ce côté, vous le voyez, il fait angle vide comme ça. Donc noir, il va se connecter, mais il n'a pas de belle forme pour se connecter. Donc c'est vraiment très désagréable. Et on voit que blanc, il peut se développer des deux côtés facilement. Donc blanc glisse, noir va là, et blanc développe, d'accord. Blanc développe, il se dit, ok, si j'ai les points en bas à droite et les points en haut à gauche, plus le commis, c'est largement suffisant. Et a priori, il a raison. Là, Noir, il faut qu'il réagisse et qu'il mette la pression. Ce qu'il y a, c'est. On pourrait se demander si ce n'est pas un petit peu trop tard. Ça semble un peu compliqué. Après, sur une partie en 9-9, tout peut se passer. Hein. Mais il y a quand même une petite différence de niveau entre deux. Noir essaye de mettre de la pression sur ses pierres. Le problème, c'est qu'on a vu. F6 n'est toujours pas résolu. Si Blanc vire là, Noir protège. Et blanc il peut euh, tout simplement se dire, bon, il faut juste que je vive de deux côtés, et après oui ça devrait suffire en termes de points. Donc atari, noir répond, et blanc s'empare de cette pierre. Ça peut être une séquence intéressante. En soi, blanc il fait pas mal de points ici, il fait pas mal de points là. Ici on pourrait imaginer quoi 10 points. Ici on peut en imaginer 15. Ça fait 25 points, plus le commis, on va dire qu'il a 30 points. Noir... Si on comptait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, euh, 13, 14, 15, 16, 17, 18, en étant généreux, il n'a pas du tout assez de points. Donc malheureusement, ça, ça ne marche pas très bien. Et en même temps, je le comprends, parce que s'il joue ici tout de suite, euh, Blanc peut venir par là, agrandir son espace, voilà, jouer des formes assez propres, et ne plus avoir aucun souci. Donc en fait... Dans cette partie, Noir semble avoir raté le coche pour mettre vraiment la pression. Blanc protège, naturellement, et noir coupe. D'accord. Très souvent, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous réduisez l'adversaire comme ça, par exemple ici même, imaginons cette euh, situation à gauche. Imaginons comment je peux faire. Est-ce qu'on peut supprimer des pierres euh, Peut-être qu'il y a une manière de supprimer une pierre. Ah, voilà, comme ça. On peut masquer une pierre comme ça. Et imaginons, euh, c'est à blanc de jouer, et on est dans cette situation. Le blanc vient ici. Noir, très souvent, il va jouer là pour défendre. Et à ce coup-là, Blanc, il répond ici. Parce que s'il ne répond pas là, Noir peut venir capturer la pierre. Et si Blanc descend, hop, pardon, ça fait n'importe quoi du coup. Si Blanc descend, Noir va capturer ces pierres-là. Donc ici, à gauche, en fait, c'est un peu la même idée. Noir, il doit protéger. Parce que là, en jouant ici, Blanc peut d'abord défendre un peu sa femme comme ça. Et si Noir continue à jouer de la sorte, Blanc peut venir capturer cette paire. Et c'est exactement la même situation où quand Noir essaie de fuir, il se fait capturer. D'un côté comme de l'autre. Donc ça, ça ne marche pas très bien. Il faut d'abord protéger. Et ensuite... Si blanc joue ailleurs, quand on coupe ici, si blanc choisit cette direction, effectivement, on peut pas mal réduire. Le problème ici, c'est qu'il y a ça. Le coup en 6 pour blanc. Et il pousse encore. Noir vient là. Blanc vient ici. Et là, on voit 1, 2, 3 libertés contre 2. Et ici, 1, 2, 3, 4. Donc en fait, dans tous les cas, noir ne peut pas faire cette coupe. Il faudrait chercher autre chose, mais là ça, on passe à un autre niveau avec des coups en h3, donc on va pas trop regarder non plus. J'ai lancé la vidéo comme ça un petit peu euh, pour voir. Euh, N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît. On va peut-être faire une seule partie cette fois-ci. Regardez comme ça, euh, c'est peut-être plus intéressant de cette manière que moi qui joue une partie et ensuite qui la revoit. J'ai vu que les gens regardaient finalement la partie et après lâchaient quand c'était sur la revue. Peut-être que c'est plus un peu intéressant de faire l'explication. Euh, moi, je peux plus prendre mon temps d'expliquer justement sur des parties d'autres personnes, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Euh, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, tout ça, tout ça. Euh, donc, noir coupe et comment blanc réagit Blanc, s'il prend directement la pierre, ça va être intéressant. Non, blanc protège parce que ici, le petit piège c'est de se dire chouette, je peux capturer une pierre, mais attention quand même, il peut y avoir des petites séquences où noir recule. En fait, il délaisse complètement sa pierre en H5. Et Blanc, finalement, il n'a pas beaucoup de solutions. Parce que s'il va vers F6, il se fait capturer. Donc ici, il faut qu'il capture ces pierres-là. Et dans ce cas-là, maintenant, Noir peut tourner ici. Et en fait, c'est en quelque sorte un échange. Blanc va prendre des points dans cette direction, et Noir récupère des points dans celle-là. Mais Blanc peut avoir de meilleures solutions quand même, effectivement, en jouant tout simplement, et il l'a trouvé. Cette connexion. Encore une fois, c'est je connecte mes pierres et après on verra. Très souvent, c'est ça qu'il faut Noir sort. Blanc descend et prend le bon coup. Là, Blanc a bien lu la séquence. Après, il a un Q. Euh, S'il avait un petit peu de temps, je ne sais pas combien ils avaient de temps dans cette partie. Ça se trouve assez facilement à son niveau, je pense. Parce que l'erreur serait de pousser par ici. De se dire, ça ressemble à une séquence où on pousse par là, mais là on est à un cran plus haut. On est sur la troisième ligne. Donc quand on pousse là, blanc se fait mettre en attaque d'abord. Et si blanc fait attaille là, noir capte. Et ensuite maintenant c'est blanc qui doit se dire, ah mais en fait il faut que je calcule, est-ce que ici je vais bien vivre Donc il vaut mieux pousser de ce côté effectivement. Et là, noir il protège en F6. Ok, c'est vraiment pas mal là. Euh, à savoir que ici si. Si une séquence se passe comme ça et qu'un jour Noir obtient H6, ça sera vraiment un très gros C pour le coin. Parce que là, Blanc ne peut plus ignorer, bien sûr c'est deux coups ailleurs, hein. normalement ça devrait aller, mais on ne sait jamais. Là, si Noir redescend maintenant, Blanc qui pousse d'un côté ou l'autre est fichu. Parce que s'il vient en H2, Noir recule ici, et cette fois-ci, grâce à la pierre en F6, Blanc n'a que deux libertés. S'il bloque ici... Il est mis en Atari. S'il fuit là, il se fait capturer. S'il fait Atari ici, il se fait capturer. Donc ça ne marche pas très bien pour lui. Et s'il pousse de l'autre côté, on vient ici. Et là, on voit qu'il y a deux libertés pour blanc contre trois pour noir en G1, H1 et J2. Donc même si on vient là, Atari, si ça répond, capture. Donc il n'y a pas de souci ici. Noir avec G2, il capture. Donc le H6 serait senté ici. Et blanc ignore une fois, ok. Ça peut aller vite. Hein. Comme on le dit, regardez par exemple, euh, imaginons Noir défend comme ça. Blanc recule et Noir se dit je défends comme ça. Ce qui à la fois défend euh, le yossé en G9, parce que ça serait goté pour Blanc. à la place de euh, un Sente ici où Noir recule. Donc ça c'est intéressant. Et en même temps... Ça menace le G2. Ça a exactement le même effet que la connexion en H6. Donc vraiment, attention à ça. Hop. Et noir descend directement. Hum, là, il descend un petit peu tôt. Mais je le comprends. Je le comprends parce qu'il euh, se dit ça, ça passe. Et là, le problème, c'est effectivement si blanc pousse de ce côté, c'est capturé. Là, on est d'accord. Mais si ça se passe de ce côté... En fait, Blanc ne va pas bloquer en J2 pour se faire capturer. Blanc ici, il va aller en H6. Et en fait, euh, Noir dans le coin, il ne peut pas faire deux yeux. Même en ayant tous les coups du monde, il aura un oeil au maximum. Et Blanc, il va capturer cette pierre. Donc en fait, Noir va mourir dans le coin de manière assez grosse. Donc euh, c'est un peu précoce d'aller en G2 tout de suite. Parce que... Blanc va pousser de ce côté, c'est un peu dommage alors que plus tard en fait il peut obtenir ces coups là même si ça marche pas du coup la séquence, il obtiendra d'autres coups ailleurs, ça peut être peut-être plus intéressant. Euh, donc noir descend, blanc descend, noir vient ici et blanc capture directement, ok clair et net. Noir fait Atari, ok. Donc noir là il est, il a, il ne sait pas trop comment réagir je pense. Là, il, a, il, il se bat à fond, mais il lit plus trop, je pense. Blanc capture. Et, euh, et voilà. Du coup, il joue le lieu c Et il a joué la séquence. Donc, c'est pour ça, en fait, très souvent, je dis dans mes parties euh, si vous n'êtes pas convaincu d'une séquence, laissez les pierres de côté. On verra plus tard. La situation peut changer autour. Et là, comme je le dis avec, euh, avec une séquence comme ça, la situation a changé déjà autour. Donc, il vaut mieux laisser pour plus tard. Et. Euh, on voit qu'ici, il peut obtenir au pire le Yose. Là, il force, il force, il a pas lu, il, il teste, il teste, et il voit, ah mince, ça marche pas, tant pis, je fais autre chose. Mais du coup, il a perdu euh, toutes ses capacités ici. Et même dans le coin, il va pas faire les points qu'il aurait pu faire. C'est dommage, quand même. Donc ici, il fait du Yose, il menace de connecter, hein, bien sûr, si, euh, si Blanc joue ailleurs, Noir peut aller ici et connecter par-dessous ses pierres et sauver tout ça, ce qui aurait pu être très intéressant, effectivement. Mais blanc lui dit non. Effectivement, noir ne peut plus aller là, sinon il se fait capturer. Et noir protège de ce côté. Bon, a priori, il va pouvoir séparer ces deux formations. Parce que si blanc vient au milieu, il y a Atari. Tac. Puis Atari. Et on se retrouve encore une fois dans cette situation où ça pousse et ça capture. Ou ça pousse et ça capture. Donc là, il n'y a pas de souci. Blanc ne peut pas capturer. Donc blanc, ici, il vaut mieux qu'il descende par exemple euh, en, en E8. Il protège sa faiblesse et en même temps il menace de couper. Parce que maintenant, effectivement, s'il si coupe, il n'y a plus de problème. Là, c'est juste noir qui est séparé et blanc fait tous les points ici. Donc il n'y a pas de souci. Blanc, dans la partie, il monte plutôt. Ok. Ça, c'est intéressant parce que la différence entre ce coup, quand noir va venir là et imaginons... Euh, Quoi ici en noir va jouer, il va jouer en f9 et blanc s'il protège comme ça, noir protège et blanc protège parce que si blanc ne protège pas, il y a Atari et il se fait capturer hop, hop. donc c'est santé. noir garde l'initiative alors que si blanc recule ici. Noir, plus tard, on refait la même chose quand il viendra là. Blanc peut descendre en E9. Et noir est en Atari, il protège. Et ici, il n'y a aucun problème de coupe euh, d'Atari, tout ça. Donc, noir est goûté C'est une petite différence, mais ça peut être intéressant. Il vaut mieux reculer en F8 que monter en F7. Noir connecte, ok. Ici, noir connecte son coup. Euh, G7 et effectivement ces, ces pierres sont bien connectées ici Donc on voit ces trois pierres sont bien connectées Mais il avait un coup un peu plus intéressant S'il fait cette gueule de tigre La gueule de tigre pour rappel c'est ces trois pierres là Et là effectivement il s'empare du coin Tout en connectant Parce que blanc s'il veut couper il faudrait aller là Mais il se met en auto Atari et se fait capturer Donc il ne peut pas couper Il faudrait aller là Puis aller là Sauf qu'en jouant le premier coup, noir répond et est connecté. Alors que là, en allant ici, euh, blanc peut avancer par jusque-là par exemple et il n'y aura aucun point à noir dans le coin. C'est quand même une grosse différence. Alors que là, noir vient ici, blanc peut essayer de réduire. Euh, pardon. Hop. Imaginons n'importe quoi. Tac, tac, tac. Noir aura quand même quelques points dans le coin. Donc, c'est des petites différences, mais comme le coup en, FU, en E8 pardon, et le coup en H7, c'est des petites différences. Mais sur 9-9, ça fait des grosses différences finalement. Donc, blanc monte, noir connecte, et là, le plus gros coup, ce serait vers B4. Blanc avance et menace d'aller dans le coin, retirer tous les points de noir et de menacer même en fait la survie de tout le dragon noir ici. Donc, noir protège, ça c'est naturel. Et Blanc vient défendre un peu son coin. Okay. Là, ici, on peut se dire que c'est un coup peut-être un peu lent pour Blanc, mais on comprend l'idée. Il a dû se dire, qu'est-ce qui se passe si je joue en A3 Noir fait Atari. Et si Blanc protège sa pierre en A3 ici, il vient là. Et Noir pour revenir pour capturer. Si Blanc descend, Noir capture. Donc il a dû se dire, ah, ça ne marche pas pour le moment. Je ne sais pas trop quoi jouer par ici. Il a dû se dire ça peut-être. Donc je vais protéger déjà ma coupe. Au pire, Noir va en A4, je protège. Il y a Atari, il va là et je peux jouer ailleurs parce qu'il est goûté. Et au mieux, s'il se passe n'importe quoi d'autre, hein, là je... je joue au pif. Blanc vient ici. Et maintenant, Blanc a protégé sa pierre au 4. Il n'y a pas de problème d'Atari en B6. Donc Blanc est santé. Donc il a dû se dire, euh, je suis en avance, autant jouer safe, je joue ça. Et noir tente des, des incursions qui sont un petit peu tardives parce que les positions blanches sont très solides. Là, il suffit à blanc de connecter ici. Et le problème, c'est que s'il ne réussit pas à faire quelque chose ici, noir, ce qui peut être compliqué, il vient de donner une pierre à l'adversaire. Il vient de donner un point. Alors que ici, s'il pousse là, blanc protège. Il vient là, blanc protège. Sinon, noir capture ses trois pierres. Hein. Tac, tac. Donc là ça, ça fait quelques points de différence. On voit qu'ici noir il peut encore avancer. Tac. On voit que euh, ici il y a 7 points on va dire ici. Alors que dans la séquence de la partie, en blanc vient là, tac, tac, tac. Euh, imaginons comme ça, ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a quand même 3 points de différence, ce qui est assez gros quand même. Donc noir vient ici, blanc protège, et c'est cette séquence-là qui se joue. D'accord, blanc décide de protéger comme ça. Moi j'avais montré comme ça, ça se, les deux se valent. C'est juste que euh, ici, s'il y a un co qui se joue à un endroit à un moment, euh, noir aura ça comme menace par exemple. Elle ratari sur cette pierre. Alors qu'avec ça, en soi, il n'y a pas de menace de co directement à Pro. Et... Mais c'est vraiment un détail. Euh, donc, blanc protège. Et noir, il lui reste du coup à fermer le territoire vraiment. Qu'est-ce qu'il lui resterait comme emplacement ben, Il pourrait jouer par ici, par là. Et il y a des broutilles à jouer par ici en fait. Donc là, il faut fermer les territoires. Est-ce qu'il a des coups santé Ici. S'il joue là, hop, tac tac tac, c'est goté. D'accord. S'il joue ici. Ça n'oblige pas de réponse chez blanc, donc c'est goûté Ok. Euh, comment on choisit entre ces deux goûtés par exemple On peut se dire, est-ce que si c'est l'adversaire qui jouait chez moi, est-ce que lui-même serait sente, par exemple Et là, on peut appeler ça, c'est un peu complexe, on peut appeler ça des goûtés goûtés ou des goûtés sente Ok, je suis goûté mais l'adversaire était goûté Ok, je suis goûté mais l'adversaire était sente. C'est dans ce sens-là, en fait. Et comme il y a des sente-gothé, sente-gothé. Donc des Sente qui sont pour les deux joueurs ou Sente qui sont ok, sente pour nous et goeté pour l'adversaire. Donc ici, si Blanc vient là, tac tac tac, ah c'est Sente pour l'adversaire, ok. Et si Blanc vient ici, on a peut-être moins de choses à défendre de ce côté. Parce que de toute manière, on a difficilement des points. Donc a priori, ce coup-là implique plus, induit plus une, une réponse de noir. Donc ça a l'air plus intéressant de jouer par ici. Donc, le meilleur coup pour Noir semble être A4. Et il protège de l'autre côté. Dommage. Blanc vient jusqu'ici. OK, Blanc essaye d'avoir beaucoup. Pourquoi pas Là, ce que Blanc cherche, c'est même un très bon coup. Hein. Ce que Blanc cherche ici, c'est à se connecter de ce côté ou de ce côté. Je vous laisse deux secondes pour voir si vous l'avez, si vous voulez, mettez pause. Là, imaginons. Noir protège comme ceci. Blanc peut maintenant aller en D2. Et si Noir connecte ses pierres, Blanc peut passer au-dessous. Et finalement, il connecte ses pierres, hein, il ne fait aucun point. Mais il a réduit tous les points. Il a, il a enlevé tous les points noirs. Donc c'est assez intéressant. Et si Noir descend, Blanc peut couper. Et là, si on refait le compte, Blanc a une de trois libertés. Et noir en a une, deux. Donc noir va mourir ici. Noir, blanc, noir, blanc. Et ça a le même effet finalement. Mais, du coup, si noir, en voyant ça, décide d'aller de ce côté, par exemple, pour protéger, blanc peut descendre en B2. Si noir connecte, blanc vient ici. Et là, on voit que noir ne peut pas séparer. Hein, C'est que des... Des Atari. Donc, il pourrait aller là, blanc protège, etc. Donc, il réduit également tous les points. Et si noir vient en A3, blanc peut couper. Et on est sur le même schéma. Une, deux, trois libertés contre une, deux. Donc, euh, les trois libertés blancs sont comme ça. Et les deux libertés de noires sont ici. Donc, encore une fois, c'est compliqué. Euh, si noir vient ici, blanc peut aller euh, là. Et Atari mes capture. Et encore une fois, les points, les points ont disparu. Donc là, en fait, il n'y a pas de bonne réponse, on va dire, là, pour noir. Peut-être qu'il peut résister comme ça. Mais en fait, quand, noir, quand Blanc vient ici, on voit que c'est compliqué. On se retrouve encore avec cette situation-là. On pourrait regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. Essayer de retirer jusqu'au bout des libertés. Le problème, c'est que blanc peut faire Atari directement. Quand noir répond, blanc Atari, noir Atari, mais blanc capture. Dans la même idée, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe si Noir joue ici et retire encore une fois une liberté, mais blanc peut venir là et capturer les pierres. Même si Noir descend, blanc Atari, noir Atari, blanc capture. Donc en fait, c'est assez compliqué pour, euh, pour Noir parce que rien ne marche. Et ce qui va être assez dur, c'est qu'on voyait ici, dans, dans cette zone, il n'y a plus aucun œil. Ici, on ne sait pas encore s'il si va y en avoir. Ça a l'air assez compliqué, mais peut-être possible. S'il y a ce coup-là qui est joué, et ce coup-là, il y a peut-être un œil en D4. Et il serait urgent d'envisager cet œil, parce que dans ce coin-là, c'est une forme qu'on appelle le 4 idiot. Imaginons, c'est noir qui joue en premier. Et là, il peut jouer un coup. Noir, peu importe quel coup il joue, ça va donner la même forme. C'est une forme en 3. Et cette forme en 3, on la connaît. Quand, noir, euh, quand blanc joue en H9, noir est mort. Donc en fait, dès ce moment ici, noir est, est déjà mort localement dans le coin. D'où l'importance de trouver un deuxième œil quelque part. Donc ce coup C2 est vraiment très sévère. Noir connecte, blanc vient ici, noir connecte, blanc connecte au-dessous. Mais grâce à cette séquence, déjà noir peut aller B2, ce qui menace. Imaginons ceci. Le blanc ne peut pas connecter, il se ferait capturer. Donc, déjà, prendre ce SNT. Blanc connecte. Et noir devrait venir ici. Pour faire un œil en D4. Ou en B1 pour faire un œil en A1. Donc, après priori, noir a quelques solutions. Mais c'était compliqué. <laughs> c'était compliqué. Donc, dans la partie, qu'est-ce qui s'est passé Noir connecte. Blanc connecte. Noir vient d'abord en D1, ok. Blanc connecte en F1, ça revient à la même chose que de capturer. Ok Parce que, imaginons, ils capturent comme ça. Noir vient ici, blanc vient là, noir vient ici, blanc vient là. Et dans leur séquence, tac, 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 c'est exactement la même chose. C'est juste l'ordre des coups qui change. Donc, noir vient ici, blanc connecte, hop, hop. Bon, c'est cette séquence qui a été jouée, très bien. Et là, Noir est vivant normalement. Je ne vois pas de séquence où Noir ne pourrait pas vivre parce que Noir est sûr à 100% d'avoir son œil en, en A1. Il faudrait quitter quitte deux fois, ce qui sera un peu bête, mais bon. Noir prend de ce côté, très bien. Est-ce qu'il n'avait pas de meilleur coup Il faudra qu'il fasse attention, Blanc il devra rajouter des coups dans son coin aussi. Hein. Parce que, bon, on est, on est encore loin, hein, mais... Imaginons, noir joue là et blanc ignore Atari sur toutes ces pierres-là. Donc, blanc joue ici, mais Atari et blanc ne peut plus rien faire. S'il si met Atari ces 5 pierres noires-là, il capture entièrement. Bon, faudrait tenir nos kits deux fois, encore une fois, c'est avec des six on refait le monde, mais attention, il devra ajouter des coups dans son territoire. Donc, noir joue ici. Et blanc prend. Euh, ouais. Ok, il vient capturer directement les quatre pierres noires et dit il n'y aura aucun souci. Et la partie s'est arrêtée là. D'accord. Il y a une séquence qui a été montrée. Non, c'est moi. Ok. Donc la partie s'arrête là. Ouais, noir abandonne. Hein. Euh, on peut finir la partie nous-mêmes. Donc euh, ça, ça revient un peu au même. On va faire un point ici, par exemple. Euh, blanc réduit. Tac, tac, tac. Noir Atari, ça connecte, et noir fait ces points-là. Les deux joueurs passent, et on va compter. Donc, combien de points à noir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 0 pierres capturées, noir à 7 points. Combien de points à blanc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 points plus les pierres capturées. Et il faut imaginer, en fait, ces pierres capturées, ces pierres sont mises dans le territoire adverse. Et en plus, on a le point au-dessous. Donc, en fait, pour chaque emplacement de pierres capturées, il y a deux points. Ici, il y a deux points. Euh, donc, ici, euh, ici, il y a deux points, etc. Donc, on disait combien 4.

On dit souvent, mais c'est sur 19-19, je ne sais pas si ça vaut, n'hésitez euh, pas à me dire s'il y en a qui savent, je ne sais pas si ça vaut sur euh, 9-9, je ne pense pas. Sur 19-19, on aime bien dire qu'à euh, euh, un niveau de différence, bah, une pierre d'handicap, c'est 10 points. Et ici, on voit qu'il y a 3 niveaux de différence entre deux et on n'est pas loin des 30 points, donc euh, ça se tiendrait en soi. Voilà. J'espère que ce format, euh, ça vous plaît. Euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, s'il y a des choses que j'ai mal faites et tout. C'était bon, là j'ai lancé le stream. Euh, euh, le... L'enregistrement, j'ai fait, oh, c'est vraiment au feeling. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer, si vous voulez qu'on refasse ça. ça c'est peut-être plus intéressant que mes deux autres vidéos euh, 9-9 où, où c'est moi qui joue et je commente une première fois puis je commente une deuxième fois, c'est un peu bizarre. Là, c'est bien, on prend une partie, on prend le temps et j'ai le logiciel à côté tranquillement, c'est sympa. Voilà. Euh, sur ce, je vous dis bonne fin de dimanche à tous, bonne soirée. Euh, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me soutenir sur Kofi euh, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Il y a une personne qui m'avait soutenu. Merci beaucoup à toi. Et n'hésitez pas à cliquer sur les vidéos. Voilà, il y a, il y a sur le côté des... une vidéo qui vous est proposée. C'est la playlist euh, bah, des règles en général, mais en fait dedans il y aura euh, les autres vidéos 9-9 ou des vidéos de des règles complètes. On a exploré des petites sumegos, tout ça. Euh... Et il y a aussi une vidéo qui vous sera proposée que vous n'avez pas encore vue sur la chaîne. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée encore une fois et à la prochaine. Salut.